Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Purge sur le territoire de Gudkash. Ce sera la région de Cadavanaugh que l'on va faire aujourd'hui. Longtemps que j'ai fait une petite tempête de sable. La touche d'esquive qui marche toujours qu'à moitié. C'est ça que je voulais tester à peu près. Ouais, c'est le piquage d'arbres en fait. Ok. Je veux juste la ferraille, mec. Ah, merci. Bah, toi. Oh. Manger. Hop, c'est fait. Un plan. Oh, c'est cool, un plan. Ferrailleur, décharge 100%, c'est parti. S'en va. Et le prochain. Ouais, on va se faire les portails. Juste à côté. Juste par là. Gentiment par ici. Ça descend, hein. Bientôt plus de menaces, hein. De toute façon, il nous reste plus que deux secteurs en comptant celui-ci. Et après, c'est fini. Qu'est-ce que je ferais bien? J'hésite. Je vous montrerai bien sur le point d'information qui est là. Parce qu'il faut que j'aille jusqu'au ballon, donc. Ouais. Ok, vas-y. On va jusqu'au ballon. Faire la décharge qui est devant quand même. Si elle est devant, elle est plutôt derrière. Décharge. Et bah par là! Vous voyez, je l'ai trouvé. Alors. Les impôts? Ah, le prends pas comme ça! Ah, il va falloir arrêter de le prendre comme ça. On se calme. C'est juste un mauvais quart d'heure à passer, les impôts, hein. C'est tout, hein. C'est une fois dans votre vie, plutôt dans votre mort. Johnny, j'ai tout fumé, il ne reste plus que des mégots. Je suis mort de faim, je voulais aller nager dans le port, mais il est à sec. Je dois y aller, putain de ville de merde, un de ces quatre. Ce jeu est extrêmement courtois. Ah, il manque un sur un. Ok. Une ferraille là et on n'en parle plus. Exactement.
une ferraille par là et on en parle. Donc on peut sauter là. Oh, on va trouver un espace pour sauter là-dedans. Most infidel. Oh, ceci dit, on est trop bien placé dans les montagnes pour s'embêter avec ça. Je laisse bricoler. Si on est vraiment dans la tempête de sable, on sera réparé. Ça, c'est fait. Le réservoir qui va exploser aussi. Il n'explose pas. Ok. Ça ne va. Oh, le convoi vient d'apparaître. Je ne sais plus si j'ai un réservoir, un jerrycan derrière le. Derrière ma caisse. Je me suis égaré juste à côté d'un champ de mine, visiblement. Je sais pas ce qu'ils attendent pour le faire apparaître sur ma carte d'ailleurs. Ouais, fais le point. Steer true to avoid the boom bombs hidden all around. Mets ça dedans. Voilà. On voit bien que c'est un champ de mine. Indique-le moi, n'oblige pas à le traverser. On va le traverser. Ah, elle est mal la voiture. Hein. Ah ouais, elle est mal. Bon. Bios, garage, garage, rien de nouveau. Ah, garage bloqué. Roadkill. Ah, c'est parce que non. How's it going? Would be if I had better equipment. A walking scout. Welcome. Ça tire dans le vide, j'adore. Ah, je suis meurtrier hein, quand je m'y mets. Hein. Je sors de la forteresse, je tire tout ce que j'ai. Hein. On en parle plus. Bon. On a la trace d'explosion de la mine en question ou pas? On verra ça quand on aura le chien. Au moins l'emplacement est marqué. On continue notre cinéma, on va tout droit. Derrière des convois, bien sûr. Ah, un petit trésor. I'm going. Wait here. Hey, keep your head down. Okay, cool. There's a lead slinger slinging lead yonder. If you want to keep that j'aime la position de la caméra, hein. Free, you do well just killing that long shooting roach. Oh, petit butin. Jusque là, des petits vis là. Ah, il s'est pris un harpon, hein. Ah bon? Eh ouais, je suis le genre de mec qui pète les plombs, hein. Balle de sniper plus une balle de sniper capacité. Ah, maintenant je gagne même des balles de sniper supplémentaires. Oh. Par contre, je le vois pas, mon putain. Je me suis fait arnaquer ou quoi? Je me suis fait arnaquer. C'est parfait.
C'est une décharge. C'est rien du tout ça. Ah, il y a une décharge là. Ah, allez, bon, d'accord. Ici, il n'y a rien en fait. Bon. Bonjour les impôts. Les impôts. Payez votre logement social là les gars. Hein. Oh. Les impôts. Voilà. Oh, on fait du plus 50% maintenant. Oh, on rigole plus, hein. Ah ouais, 11 plus 5. On fait du plus 50% maintenant en ferraille. C'est puissant. C'est puissant. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est dommage que les récupérateurs ne profitent pas de notre bonus. Sinon, on serait très vite très riche en fer. Vous servez à rien, les mecs. Servent à rien les mecs. Oh, ça c'est pas snipe. Moi je vais être dans le bon boom de sable là. Tourbillon de sable. Y'a pas moyen de venir te voir sniper? Non? Pas accéder à ton. C'est chiant là. Encore un sniper qu'on peut pas atteindre. Putain, je l'ai même pas vu. Blague. Et en plus je me prends le vent. Je me prends des vents quoi, littéralement. Où vous voulez là? Dégage. Ta bagnole aussi, elle dégage là. Sniper là-haut là. Oh, c'est une mini tempête de sable qui est chiante là. Bon, je vais descendre de coupon lui. Pas de souci. Je vais le casser à la main ça en fait ou. Ah oui, il m'a fait reposer. Allez. Saute quoi. Le jeu d'handicapé. Shooter, Blitzlinger. Servir de ça pour une fois. Voilà, c'était vraiment pour une fois. Hein. Allez, on s'arrache de là, on va prendre le ballon. Suffisamment assez de temps avec ces gens-là.
Mais bon, vu que j'essaie de... Bah, je peux vous présenter un 100% de Mad Max. C'est sûr que, forcément, je perds du temps pour des trucs pareils. C'était sympa de te voir hier soir, Frangin. C'est la faute, c'est la photo dont je te parlais. Ronnie habillé en zombie, ça passait très bien il y a 3 ans. Si quelqu'un entrait comme ça dans un bar aujourd'hui, il se ferait buter aussi sec. Il y a tellement de virus, de maladies et de merde que les gens croient vraiment que les zombies débarquent. On essaie de se voir bientôt. Ok, je sais pas lequel est habillé en zombie, mais bon. C'est tout. Alors que lui il me dit qu'il y a une porte à défoncer, probablement. Ah bah oui, c'est le ballon. C'est le ballon. Ok, bon appétit bien sûr, hein, si vous étiez en train de manger. Oh. Deux balles, je suis preneur. Le véhicule de course à détruire. Allez, allons faire un petit tour. Panne de carburant, d'accord. Ne allons pas faire un petit tour. Hop. Prenons ce carburant. Montons à cette échelle. Faisons le plein-plein. Voilà. Oh, ces gants. C'est tellement métal, ces gants. Et allons voir plus loin si on y est. Good cash. Good cash. Ce bon vieux gash. The ship. It looks peaceful from afar. But not seaworthy. Je vois le sniper à travers la montagne, je suis trop fort. Moi, je vois un camp à travers la montagne, je suis trop fort. Je vois le convoi aussi. Il doit y avoir un fort ou quelque chose comme ça, mais on le voit pas. Ouais, 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 t'inquiète pas. D'une manière ou d'une autre, il mourra le convoi. Hein. Pas paniquer, mon petit gars, comme ça. Ça la mort. Un autre sniper. Un autre snipe. Ouais. Ouais, il nous manque encore plein de trucs, forcément. Voilà. Que la moitié des choses. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'emplacement de ballon, je regrette un peu qu'effectivement genre on ne puisse pas tout voir avec l'emplacement de ballon. Voilà le convoi. On repart là-bas. Ouais, il est pas plus trop loin là. On va pas s'amuser à couper après. Hein. Alors, ouais, quoique. Quoique. Il est là, hein. Ouais, mais il va changer de territoire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais redescendre vers le camp de Caïd. Je vais détruire ça au passage, déjà. Je vais redescendre vers le camp de Caïd, et vu que c'est par là que passe à peu près le convoi, on l'attrapera en chemin. Puis on repartira après par le sud, on fera toute la partie sud avant de remonter vers les lieux qu'on n'a pas, en fait. Je suis sûr qu'en les éclaireurs et je réassemble le projet, je vais encore trouver plein des décharges. Dégage, bon chemin, paysan. Surprises. Of course, of course.
course I will. If you screwed it, have to leave me here. Parfait. This could work as cover. Ça, c'est fait. J'ai gaspillé un peu une balle pour rien parce qu'en fait c'est un véhicule super fragile ça. Percuter ça va être réglé en 2 secondes. Et là il y a un emplacement terrible pour mettre des décharges et non bah il y a rien quoi. C'est tout ça. Solide encore de face, on va le taper par derrière. Voilà, là d'un seul coup il est moins solide. Que la meilleure frein à main du monde. La tête, tu rêves là, je crois que je vais te laisser partir mon pote. T'as poussé ma voiture, je dois payer. J'ai carrément changé d'arme en fait. C'est extrêmement puissant en fait.
on change de territoire, donc là faut faire gaffe. Keep an eye on the car. Yes, I will protect your sake. But don't be long. Please. Ouais, mais quel territoire? C'est sur les crayeux? C'est sur quoi ça? Ah, t'es au croisement de tous en fait. Je sais pas quel territoire tu dépends, mais je prends l'info. You don't even half of what they say of you, Lord Scrotus, dead or not, will come to claim your liver. Génial, tu ne sert à rien. Donc c'est parfait, un personnage qui ne sert à rien. Incroyable. Ça existe. Le saut était épique. C'est le plus grand saut que j'ai fait dans Mad Max, celui-là. Là, toi t'es mort. Là. Là, mon petit. Oh, mon petit. Oh, mon petit. La tuture, elle a eu mal, hein. Ah. En plus, je crois qu'on est dans le désert blanc, là. On va voir la confirmation. Non, on est encore chez Gutgash. Oui, on est juste à côté de Gutgash d'ailleurs. Voilà, je suis un peu comme ça. Chef des vagabonds. Un bon vagabond, ça un vagabond tout seul après. Le réservoir vient d'exploser. C'est la ferraille qui m'intéressait. Doom! It's a war party! Oh, c'est un malheur. Tellement abandonné comme des lâches. Pauvre gars, va. La faute à pas de bol, ça. Hein. Oh, on croise du monde, hein. C'est pas comme la précédente purge où c'était un peu vide. Hein.
Oh là là, il a fallu qu'on plante dans des âneries. Hein. Ceci dit, toutes les erreurs que je commets, vous éviterons de les faire. Et un petit phasage. Pourquoi ça phasait ? Ça phasait. Décidément, des vagabonds à soif, on n'en croise plus, on n'en a plus soif. Hein. Donc, je leur ai donné trop de choses, disons. Oh, maintenant il se passe plus. Ah, ah oui, d'accord. Oh, you heard about that gut noose. Don't worry, you wanna like to hang you on your gut rope. Yeah, him. Saw him smack some pups once. Only one got any kind of pain on him was one who just hammered away in a kind of fury-like frenzy. Guess you better be furious to beat that boy. Ouais, faut juste taper les gens, quoi. Hein. Là, là, hop. Un peu. Allez, 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 allez. Mets-toi par là. Tac. Voilà, là on te voit. Tu m'as même pas laissé un peu de ferraille. Ah si, il m'en a laissé un peu quand même. Non! Il change d'avis à la dernière seconde, c'est chiant. Tempête en approche. Oh, j'ai craqué toutes mes munitions sur deux pauvres voitures. Je suis vert. Bon, si il y a une tempête en approche, on va la jouer. Hein. Ils font un petit coup. Enfin, un gros coup, quoi. Hein. Je peux rien faire. Oh là là, barrez-vous là. C'est ça, je suis déjà mort. Je vais pas encore ramasser la ferraille que je suis déjà mort. Ça va être même dans la voiture, je suis pas en abri, j'avais oublié ça. Je suis pas à l'abri même dans la voiture. On va mourir. Moi j'aurais récupéré un tout petit peu de ferraille. Hein. Pas grand chose. Mais un peu quand même. Hein. Attaque à mon noir et blanc. On est sur le bout. Oh, je vais mourir pour 100 ferrailles, j'ai récupéré 100 ferrailles. Moi je suis mort. Je suis tellement vert de mourir à cause de Warboys débiles, à cause de trucs débiles, quoi.
À cause de mauvaise foi aussi du jeu qui aime bien accumuler la foudre et les explosions juste à côté de vous quand vous descendez du véhicule, c'est pas aussi bien. Donc je me suis fait pourrir une jauge de vie en 2 secondes quoi. Plus du coup les lags, hein, parce que vous avez des très gros lags, hein, faut que vous le sachiez, vous avez des énormes lags. Lorsque... au niveau des touches, enfin je veux dire entre les, la gestion des touches. Déplacer, etc. Le temps de réponse, il y a un énorme délai de réponse. Pas faux, les courses contre la mort, faudra un petit casque qu'on s'y intéresse de près. J'aimerais bien assembler les archanges d'ailleurs. Je peux assembler mes archanges là. Hop, au niveau des archanges. On a l'archange. Non, les autres, on n'a pas de quoi les assembler hein, de toute façon. Oh, il manque systématiquement quelque chose. Non, il manque pas grand chose. C'est avant ça encore. Ouais, déjà dans celle-là, il manque plus grand chose. Mettons, hein, il manque quoi? Des pots qui sont juste des niveaux. Ah mais chez Pink Eyes. Ouais, j'ai pas tout ça. Vaincre le gay gueule de fion. Ok. Donc, gay gueule de fion, c'est pas celui-là. Non, ça c'est le boy. Bon, on verra bien. Hein. Continue, hein, on verra bien comme d'habitude. Comme d'habitude gaming, on verra comment ça se profile. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tous en accord avec cela. Ah, puis vraiment les accumulations de foot, ça me rend fou parce que ça détruit la ferraille en plus qu'on m'embêtait à ramasser. Ça me rend assez fou en général. Si j'arrive ici du coup avec le plein d'éditions, le plein de vie, le plein de temps. Let's play that old time game of lust and dip. Ouais, bah, si vous voulez, hein, j'ai rien contre ça. Non, il y a des manivelles, ça sert à quelque chose. Je vais voir si je peux avoir une vraie finition enchaînée. Ah bah 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 bah. Alors si ce crétin il fait n'importe quoi. Oh, eh, vous me saoulez hein. Que ça fait, on va être touché, indisponible. D'accord, je vais même pas récupérer ma batte. Tellement vert. C'est vrai que quand c'est comme ça que la caméra recule quand même un peu plus parce que. Oh, my God.
voyez, il y a des vrais bugs d'action, quoi. Le gars, il commence une action, machin meurtre furieux au sol, et puis en fait, à la fin, bah, donc... Marrant, ça. Tu as mangé, toi. Dégusté au petit déjeuner. Ok. Ok. Déblayer. Voilà. Un petit coup. J'oublie trop souvent d'utiliser mes aversions corps à corps. Rien encore bien. We come to you. The Legion has put you away. Raise against him, I come. Oh. Alors ça c'est chiant. Taper tous en même temps c'est relou. Je meurs. Je vais essayer de récupérer le matos à un moment donné, hein. On a croqué, on va carrément détruire tout ça. Non, je vais pouvoir récupérer... Non, d'accord. Donc le boss, ok. Vas-y, descends, bonhomme. Je vais pas prier non plus. Moi j'aimerais bien récupérer le matos quand même. Donc après je sais pas si ça va disparaître. Aïe aïe aïe, oui oui, on peut pas le bloquer, on peut pas l'esquiver, c'est vrai. On peut l'esquiver manuellement, c'est pas avec Y qu'on l'esquive. Bon, je suis mort. Là ça veut dire plus de faute d'orthographe jusqu'à la fin. Une bonne technique, c'est justement l'esquive. Hein. Voilà, ça reste trop tard. C'est pas assez réactif. Pas assez réactif. Ou alors, je sais pas, je pars trop tôt, je sais pas ce qui se passe, mais où il me le prend pas. Je sais pas, j'ai Y qui s'affiche avec son grand cercle autour, j'appuie sur Y quoi. Mais la manette ou le jeu, on a décidé autrement. Ok, bah écoutez, je réessaie. Ah ouais, non, maintenant j'ai même pas toutes mes munitions ni rien là. Oh là là. La gourde vide et tout. C'est la fête. Ah, j'ai plus que le boss par contre. Ah, d'accord. Sympa. Sympa, par contre, je suppose que j'ai perdu toute la ferraille. J'ai perdu toute la ferraille. Et il me reste plus qu'un sur. Ah,
400 ça. Garantie 100% contre les maux de tête. Patatex 800. Oh, contre les mâles de gorge. Patatex 1000. Contre les mâles de dents. Des petits surins là sur le... des surins, des armes, des trucs. Ouais, bah là, ça s'en est. Voilà. Quelle autre chose, de la boue, de l'eau, un truc fait. Ça va servir quoi. Ça, non, y a pas ça, y a rien. Bon, déjà, je trouvais deux surins, ça va me faciliter le travail. Ah bah si, bah blind bat. Non. T'avances pas beaucoup, hein. Je pensais que tu m'aurais rattrapé plus que ça. Contre les balles de ventre. Ouh. Contre les balles de tempe. Ah, t'es, t'es marrant celui-là. T'es très sympa. Hein. Dur un peu, mais sympa. Bah, ça devrait être facile tout le temps. Par contre, du coup, il y a plein de choses à récupérer dedans. Ouais, ça, faut tout récupérer dedans. Allons-y. Allons-y, j'ai vu des manivelles, je suppose que ça sert à ça, à réouvrir les portes. Ah, il me restait 4 balles aussi. Oh, bah, j'ai... J'avais pas... Et attention, ça c'est l'extérieur, ça m'intéresse pas. Ah, de l'eau. J'aurais peut-être dû regarder ça aussi avant de rentrer. Faire le petit plein de flotte. Cool, je vais même avoir un peu de rab. Parfait ça. Je suis même pas sûr que je vais avoir du rab. Si, je vais avoir un peu de rap. Need to fill up on water. On va peut-être pas faire le plein, mais on en rajoute un peu. Presque une demi-gourde. Pas en réserve. Pas trop trop se plaindre. C'est cool quand même. Alors, ce portail à ouvrir, est-ce qu'il y a d'autres portails? Simplement, il n'y a que celui-là. Emblème de Scrotus. Alors c'est pas que je les aime pas vos emblèmes les gars, mais je les aime pas. Complètement irradié. Joyeux. Voilà, on va ouvrir parce que je vois rien aussi. Et je pense que vous n'en voyez pas plus. Alors... Pourquoi ça rame? Excellente question. Mais ça rame bien. Alors que dans l'arène en bas ça rame pas quoi, c'est vague. Alors, des munitions. Oh. Un sur un, une cartouche de flingue plus une cartouche. Très bien.
pas très bien. 5 de ferraille, hop, une relique. Rotation qui... En fait, c'est une ancienne... c'est une ancienne... ancien stade de... J'ai retrouvé cette photo récemment. Je ne me souviens pas du nom du groupe, mais je sais que mes oreilles ont sifflé pendant un mois. On rigolait quand les gens disaient « le rock est mort ». Pourtant, aujourd'hui, ça doit être vrai. Il est mort comme tout le reste. C'est ça. Ah, they thought they had all the time in the world. Tranquille, t'as déjà pris la place, bien. Oh, mais il y a encore de la flotte derrière eux, j'ai pas fait gaffe. Oui, d'accord, ah oui, on fait plein de munitions en fait. C'est vraiment. C'est prévu pour claquer quoi. Vous pouvez claquer toutes vos munitions et tout. Bon. Partez pas non plus en slip. Hein. Et là, on revient vers. Il revient, c'est ça. Exactement, je fais le grand tour pour rien. Y a de l'eau là juste à côté du boss. Et il y a beaucoup d'eau juste à côté du boss. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de boire. Ah si, il y avait la petite rasade du principe. Donc il y aura la petite goutte d'eau du principe. Voilà. Tout en principe actif. Bon, on est bien retapé quand même, hein. Il manque encore un surin et quelques balles, mais on va trouver ça dans la suite, je suppose. Pardon, tout. Et ça peut pas être tout. Deux pistes. J'ai oublié. Yeah. Je ne trouve pas nulle part, à aucun moment. Autour du boss, j'ai tout nettoyé. C'est pas là que j'ai même nettoyé le boss. Il manque quoi? Un emblème et 3 ferrailles. Alors, il y a un autre portail au sol qui s'est ouvert. C'est rien. Hop là. Voilà. C'est quoi un bingo? Ici, on a dit qu'il y avait un escalier à droite. Tu m'avais parlé d'un escalier à droite. Je l'ai fait, ça a ouvert ici. Tac. Ah, mais peut-être là où il y a les défenses. Oui, je crois que c'est ici qu'on avait dit que là, les lance-lames on pouvait désactiver escalier de droite. J'ai la droite, voilà, c'est ça. On va voir des trucs ici. Bah non. Non, non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Donc j'ai loupé une salle quelque part. J'avoue que je ne sais pas trop où. Et j'ai raté une salle. J'ai un coup j'ai générique où déjà je verrai le emblème ou quelque chose comme ça. C'est par là. On va remonter par ici. On va refaire un peu de piste. Et de dépistage. Il y a un sniper qu'on a crocheté, je sais pas comment on l'atteint en fait. Mais bon, vu qu'il y a des positions de sniper qu'on ne peut pas atteindre dans ce jeu. Ah, il y a une vanne. Ouais. Allez, on va ouvrir une porte. Et à mon avis, il se trouve en bas. En bas ou en haut? La porte principale est toujours verrouillée. Ça a dû ouvrir la grille qui était juste là. Exact. C'est un peu mal. C'est un peu mal. C'est pas grave, on a de l'eau. À volonté. Non. Not now. Voilà.
Très bien. On va faire ça, comme on peut. Hein. Oh, vas-y. Pas de pas. Là. Le 8ème. Ferraille. Et le dernier emblème. Le 100%. Bon, je vais pas aller vous embêter avec le fait que je pourrais remonter et aller chercher un peu de flotte. Ah, tu m'obliges à faire tout le grand tour comme ça. D'accord. Dans ce cas, je vais aller... On va passer par le nord dans ces cas-là. Ah, c'est parce que j'ai appuyé sur B trop longtemps quand j'ai quitté la carte. Donc il a décidé de tirer une balle. Voilà, alors entre l'ultra sensibilité et de je réagis pas quand j'appuie sur les touches parce qu'il y a déjà trop de quelques pistes. Déjà trop de quelques pistes, on sait rien. J'imagine quoi. J'imagine. J'assume. J'assume. Regardez combien ça a réduit l'influence. On est presque au niveau 1. Il doit y avoir au moins un autre camp dans le coin. On va finir à 1. La pression. De la voiture, hein. On a du bon blindage, hein. Incroyable. I'm going. Wait here. Vous voyez pas avoir des vraies portes d'entrée. Bon, les enfants, c'est les impôts. Hein. Déjà, attendez, désolé, je me dégage. Ah, mais réagis, Max, quoi. C'est chiant, tu mets 10 jours, quoi. Évitez de frapper en même temps. Voilà, merci. Donne-moi ça. Et je prends quand même son couteau. Ça c'est fort. Oh. Rotation. Les garçons, il y a deux choses à retenir sur cette photo. Un, c'était pendant la dernière tempête de neige de l'histoire. Deux, un gang local avait, avait piégé cet innocent bonhomme de neige. Et ce jeune homme a fini en bouillie. Ne vous fiez à rien ni à personne, papa. Voilà. I can't remember the innocence. Snow. Ah ouais, c'est un bon monde de connards, hein. Y'a pas d'erreur. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Ah bah je comprends pas des choses, c'était pas pour la ferraille, c'était pour le plan. Alors un plan. On a les asticots au niveau 3. On peut faire les asticots. Ce serait d'ailleurs une bonne chose. Je fais un peu la tête quoi. Hein. Il y a de la...
Y'en a un qui s'est suicidé en poursuivant. Sandouille. His armor must go. Les andouilles. Il y a le convoi qui est passé dans le coin. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les pointes là. Cette pointe là, en fait. Il y a les deux mangeoires là-bas. Don't stray. Of course I will. If you have to leave me here. Thank you.
nibble bit on four small bars. Ah, il était bon ce petit rat. Ouf. Cet autre petit rat. Oh, tout a déjà disparu. Putain, mais si je te la tête du monde, hein. Qu'on voit, on la rattrape pas plus tard. On voit pas tout de suite, pas d'urgence. Tes impôts, tu veux pas? Meurs. Merci d'avoir joué, petit. Un peu de calme avant la prochaine tempête. Oh, la jolie carrosserie. La jolie carrosserie. Si on peut grimper ou pas. Ah, ça, ça semble. Laquelle, il n'y a rien de planqué. Ah, si. Voilà. Il y a quand même quelque chose de planqué. Ah, là-bas, je l'ai fait. Rien. J'entends un exit de service. On peut s'en prendre une. Ça va prendre, hein. T'occupes de ce que je mange? Bois un peu de gasoil, il me saoule pas. Incroyable ça. Mais ils sont tellement pétés. Vigilant, my angel. Now this is Red Island, and they mostly come at night. Donc, qu'est-ce que ça monte? Alors, alors. Que doit se trouver le dernier exit de service là, parce que elle va être là. Voilà. Voilà, voilà pour le 100%. Maintenant, c'est juste de la vengeance gratuite. Hein. Je pense qu'il y a un type qui m'a tapé toute la porte, il faut qu'il paye. Idée ou quoi? À boire. À boire. Églou, 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 églou. Bon, très bien. Ça nous a permis de nous retaper un peu cette affaire. Ok. Là, on n'est plus chez nous. Ça, c'est réglé. La petite décharge qui est là? Allez, la petite décharge qui est là. Non. Not now. Si, si, appelle. Appelle! Oh, abruti, tu vas appeler, oui ou mince? I need the wheels. Fais popper la voiture. Bring the car. Fais de la magie.
Allez. Voilà. On va faire ça. Ça, c'est de la magie. Bravo. Très bien de la magie, je m'inquiète. Ça, c'est pas sur notre territoire, ça. Ouais, mec. Là, que la décharge, elle est limite. Tout est limite là-dedans. Hein. Dans les montagnes qui sont pas limites du tout, ça, c'est bien au milieu, y'a pas de problème. Dire que j'avais fait B à la base pour décrocher le harpon, t'as pas réagi. Et ben voilà, ça c'était une ferraille, ça c'était une décharge. La sauce. Ça m'étonne qu'à ce point-là, il n'y ait rien. On va aller faire un tour là-bas, mais en passant par les terres, donc en marche arrière. C'est par là qu'il faut qu'on passe. C'est par là qu'il faut qu'on passe. Là on est dans les terres. Ça c'est pas chez nous. Il en reste combien là à trouver? Il y a deux camps, j'en ai fait un. Le deuxième, est-ce qu'il est marqué? Le deuxième n'est pas marqué, mais il est là. Cherchons pas midi à 14h. Il est là, ou là, ou là. Voilà, il y a trois points possibles où il est. Épouvantail, j'en ai la moitié. Les autres, j'en vois 1, 2 et 3, ils sont indiqués. Ensuite, des snipers 2. 1, 2, ils sont indiqués. Convoi, oui, il est indiqué. Champ de mine 2, j'en ai découvert 1, il m'en reste un à trouver. Par contre, ah oui, j'ai pas le nombre de décharges. Pas le nombre de décharges. D'où l'importance des éclaireurs en fait. C'est vrai que tous les éclaireurs prennent leur importance. Parce que du coup, ouais, je vais encore vous faire des épisodes purs, je vais avoir le reste des éclaireurs en fait. Jamais dû me défier, gamin. Maintenant, tu es mort. Mais tu payes très bien tes impôts dans la mort. Félicitations. Alors. Ces braves gens qui naissent, qui vivent et qui meurent pour rien. Ouais, sinon, on est venu chercher des trucs. Hein, donc, si vous avez des trucs, c'est le moment de nous les lâcher. Hein.
Je vais me contenter du pourboire pour en position. Hein. Ça non plus, ça ne suffira pas. Ça fait plaisir, certes, mais ça ne suffira pas. Les vrais impôts, s'il vous plaît. Où est l'argent? Ah. Voilà, ça c'est déjà mieux. Là, déjà, en termes de matière, pour une première session, on est déjà bien. Hein. Oh, de l'eau. Toujours plaisir d'avoir des clients qui vous... Enfin, des concitoyens qui vous offrent un petit coup à boire. Ça vaut les difficultés qu'on rencontre à collecter les impôts. Toujours extrêmement plaisir. Je suis vite, c'est comme ça. Rien à redire. Voilà. Oh, un peu de lecture pour moi, c'est gentil. Chers voisins, quand vous lirez ceci, nous serons partis. Entre la maladie, les émeutes et l'eau qui se retire, c'est devenu un enfer. Les routes vers le sud sont bloquées. Il y a des fusillades. Le centre commercial est impraticable. Plus d'essence nulle part. Si vous voulez partir, prenez les vélos. Emportez beaucoup de munitions pour le fusil. Bonne route. Ouais, c'est ça, dans Mad Max, la première chose que tu penses à emporter, en fait, c'est les flingues. C'est pas à boire et à manger, c'est des flingues. Et des munitions, enfin des armes en général. Et ben voilà, c'était sympa. C'était sympa. Je garderai un bon souvenir de ces braves gens. Dirigeons-nous par là. Ouais, non, alors plutôt par là dans ces cas-là. Voilà. Je vais faire le grand tour. Une voiture ici. Une voiture abandonnée. Ah ouais, elle est totalement abandonnée. On va la faire craver. Voilà. Oh, les flammes, ça marche quand même super bien. Il y a des véhicules en plus comme cela, j'avoue, le feu il le supporte pas. Ils ont cramé en moins de deux. Bon, j'ai quand même perdu un sur un dans cette affaire, ce serait bien que je le retrouve. Non, faux semblant de route. Ça ne sert à rien. Ah bah il était là le type. Il était là. C'était un mec sympa. Ils peuvent. Faisons-nous une poursuite du feu de Dieu. On va juste tromper messieurs pour voir s'il y avait là-bas dans la montagne, caché par ici. Il n'y a rien. Allez, faisons-nous cette course poursuite. Tu peux te mettre à côté de moi? Merci. Attends, tu peux toujours rester à côté de moi? Caisse, hein. Je suis au flingue là, mec. Arrête tes âneries, je suis au flingue. Oh, le jeu qui vient de bugger. Je suis resté aux flammes. D'accord, non, je suis... C'est blingue. Ah, tous mes problèmes sont réglés. On a un petit peu d'essence. J'espère qu'il y en a dedans. Faire le plein. Allez, fais le plein.
Igloo. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Oh ouais, oh, on est dans les grandes largeurs là, pas de soucis. Pas de soucis. On a ce qu'il faut. C'est plutôt cool. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un champ de mine, on a quoi là? Intersidéral, non, il reste rien ici. Juste fin du jeu. Ok, d'accord. Bien. Oh. Donc ici il n'y a rien. Maintenant ici. Tu me taquines. Ah, même Chump Bucket, il me taquine. Ah, le filier. Ah non, je vais pas laisser de la bonne ferraille s'en aller. Hors de question. C'est Chump Bucket qui que je vois pas. Je vois pas ce qu'il va faire. Gagné 10 000 pièces de ferraille. Voilà. Voilà comment ça se passe hein, pour gagner 10 000 pièces de ferraille. Hein. J'avoue, on est déjà à 3900 ferrailles. Il y a un certain confort. Hein. Oh bah, dis donc. Pas bien voulu t'accorder du respect, mais j'en ai pas. J'en ai pas pour toi, je suis désolé. Sit tight. Yes, gladly. It is my sacred place. Qu'est-ce qu'il nous a lâché? On va voir. Bon alors ici il y a quoi? Tant qu'on y est. La fin du monde aussi. Ah, peut-être une décharge. Je vais être généreux. Décharge, le jeu est généreux. Oh no. Fleur de cadavre. Bon, prenons de la ferraille. Hop, un plan. Ça va être sur de la bouffe ça. Non, sur les ferrailleurs, c'est cool. J'ai bien fait d'aller jusqu'au bout. Relique de l'ancien temps. Historique plutôt. Salut frangin, tu te souviens du type pendant notre dernière vadrouille? Ça de Charlie, il est toujours cloué au mur. J'ai déjà buté des tarés dans ma vie, mais cette merde est vraiment malsaine. Semper Fixus. What was morbid then would be benevolent now. Qu'est-ce que tu veux? T'as perdu quelque chose? T'as perdu quelque chose là? T'as redemeuré?
complètement fini à la pisse et à l'urine. Allez, ramenez-vous, ramenez-vous. Allez, ramène-toi. Me laisse pas aller chercher là, ramène-toi là. Me fais pas perdre mon temps pour revenir. Bon. Ça c'était cool pour cette zone à site de débris. Ah, ils ont quand même un pseudo nom les zones en fait. Ouais, est-ce que je prends cette ferraille? Elle est un peu gratuite, elle est un peu facile, un peu au milieu. Elle est prise. Elle est prise, elle est pas perdue. Ici maintenant. Et une voiture qui est... Ah, la ferraille infinie. Une voiture qui est réapparue tout de suite. Instantanément. Lol. Oh. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Bonjour. Hop. Je suis votre sauveur. Ça se voit, je saute de manière super stylée. Eh, hey, tiens, du jus de pomme. Je vais t'épargner la blague. Ouah, mec. Thank you, stranger. De rien. Terreux. Comment on appelle un mec du cru. Un crucifix, c'est ça, non? Ouais, je sais pas, c'est technique. Ah bah tiens, bah il nous manquait un truc dans les buts fétides. J'avoue, j'ai pas trop fait les pointes. Mais ouais. Ok, c'est cool. On verra quand on aura le projet des éclairs au complet. Il y aura forcément... l'état actuel des choses, il y aura forcément un épisode avec tous les manquants. Ah, il est là, le camp. Le camp est là. Et ça, c'est un champ de mine. C'est un champ de mine. D'accord. Ça a dû encore quand même avec des gros dépontails comme ça a dû encore visiblement. Donc le camp. Ah, et on a une rencontre juste à côté. Ok. Pour la rencontre. J'ai tellement endormi.
Ah, le convoi. Le convoi, le camp. Ah, ce sera le camp. Ouais, ça fait un mec de moins sur le convoi. Il réapparaîtra d'ailleurs très rapidement. Hurry up. N'a réellement aucune importance. On va faire le point. Oh bon, on va exploser cette voiture là hein. D'armure là, ça les abîme déjà beaucoup plus vite. Ah, c'était ça qui faisait du bruit. Jerrican bugué. Ah, on avait 4000 de ferraille quand même. Bon, on va peut-être me laisser prendre ce fichu camp. Enfin, même, je parle même pas du camp, là, je parle juste de récupérer ne serait-ce que le point d'information. Rien ce truc. Bref, ne nous posons plus trop de questions. Ça coûte trop cher les questions. Oh, putain. Une caisse de munitions, pour une fois, j'en ai besoin. Hey, you know Roadkill? You that warrior. The one they say kills Roadkill. If you're looking to kill more, there's a bunch inside. A war buckler even. But look, there's a hidden path up to the camp from the canyon. Depuis le canyon. Alors, ferrailleuse pleine de ferraille dans le camp, ouais. Élément de projet dans la zone supérieure, source de nourriture près de la falaise. Vraiment sympa ça. Je crois que je vais rentrer par la grande porte quand même. Un classique chez moi de rentrer par la grande porte.
après c'est ça votre point de port. En effet, hop. Ok, une ferrailleuse pleine, en effet. Je détends tout de suite. Pareil. Je fais pareil. Merci. Bien aimable. C'était sage, tranquille, sur les pattes arrière. Une ferrailleuse à ramener au QG. Une ferrailleuse à ramener au QG. Une station de pompage. Le QG. Ouais, il est quand même pas à côté. Il est quand même pas au à côté et il est pas nettoyé. Il est pas clair du tout. C'est pas clair comme situation. Voilà, remplissons ça. En espérant que ce soit bien entendu plein à craquer. Ce serait top de top. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va nous retaper à fond. Il y a un manque de réaction, il y a, je sais pas, il y a des petites erreurs comme là par exemple quand vous voyez en bas tout de suite apparaître là, hop, maintenir pour remplir la gourde. Vous le voyez donc normalement vous appuyez pour pouvoir le faire et en fait ben non c'est pas encore effectif. Faut attendre que l'action finisse, on demande de se terminer. C'est ce genre de truc qui fait qu'à mon avis en général je prends des droites en combat, c'est à dire que Y s'affiche tout de suite mais il n'est pas encore disponible. Vous voyez le délire? Ça vous vend du rêve? Parce que moi pas hein. Donc, ok. Y'a un type qui est passé avant moi ou quoi là? Un peu de nettoyage avant de venir. Ça te passe bien, visiblement. Un peu déçu, hein. Oh, on se fait plaisir. On se fait plaisir, on se fait plaisir. On est là pour s'amuser, pour se divertir avec tous ces braves gens. La grosse masse à pique, c'est celle-là. Voté. J'ai voté pour la grosse masse à pique. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, je me suis pas contrarié moi-même. T'es d'accord avec moi. Ça, c'est cool. Donc, ah des munitions, ça j'aime. Bien sûr. Ah. Eh ben, une balle plus une balle, ça fait quand même franchement plaisir. Ça me rallonge mes munitions, à la vie mes munitions de folie. Tu es créature. Créature, tu es morte. Manger créature. Créature, y a bon. Y a bon la créature. Y a bon, y a bon. Récupérer arme. Récupérer arme qui glisse. Gourde pleine. Pas utiliser le gros. You're the driver Scrotus wants. Where's your car now, driver? Je ne peux pas monter en haut. En tout cas, il y a de la nourriture et de l'eau à volonté. Ce qui est déjà très cool. What? Tu t'y attendais pas celle-là.
t'y attendais pas, celle-là. Bah, celle-là, je m'y attendais pas non plus. Oh, mais hey, tu me saoules. Je frappe une fois, je demande le brise-bouclier, tu brises le bouclier, quoi. Oh, stop. C'est possible, mince. Je mange, et tu manges, et toi, vous allez manger maintenant. Tous les deux, j'ai dit, pas de discrimination. Ah bah, ils sont morts. Ok. Je peux juste fouiller le type. Je peux juste fouiller. Ok. Je voudrais juste fouiller le type. Maintenant, tu peux me laisser fouiller le type. Merci. Débile. Peut-être descendre. Je pense qu'il voulait descendre. Ouais, moi, il m'a rien dit, mais je me sentais bien comme ça. Donc, divers locaux à voir avant de faire sauter tout ça. Et ben, je pense que le produit qui se vend le mieux dans la région, c'est la peinture jaune. Hein. Pour entrer ici, pas cette corniche là, ok. Il nous reste une pièce d'éclair à trouver, une emblème et deux ferrailles. Nous, on a fracturé cette porte, on est allé voir par là, donc faut que j'aille là-bas. On reste ici. Éclaireur. Ah, un projet d'éclaireur. Commençons à voir le début. Et la dernière ferraille. Des munitions. Ouh, avec tous les surins. Ah. Oh, très bien pensé ce coup-ci. Là, ce petit coup-là, il est très très bien pensé. Va me permettre de manger sans avoir à refaire tout le grand détour en fait. Je peux revenir ici, pas besoin de faire de plein de gourdes d'eau, rien. Je peux manger mais c'est nickel. C'est nickel, c'est bien pensé ce coup là. Ce coup là est très bien pensé. Un peu de carburant, on avait ça avant d'arriver sur place. Juste là. Voilà, juste ici. Une réserve de carburant infini à côté. Crête de sang. Bon, bah, pétrole fini. Ok. Menace réduite de combien je prévois? Je m'informe. Ah, on n'est pas encore descendu. Ah, comme quoi, là, c'est là que les épouvantails ont leur importance. Ils vont faire la différence entre le niveau 2 et le niveau 1 d'occupation. Du coup, dans le coin... Ah oui, mais il me reste encore le convoi aussi à battre et les snipers. Oh, ouais. Ah oui, mais attendez, j'ai aussi la ferrailleuse à ramener. Ouais. Eh bah oui. Eh oui. Donc oui,
Tu veux pas trousser Jeannot là? T'es blindé Jeannot. Alors par contre là c'est tout droit jusque chez Gudgash. Tout du moins le plus droit possible. Alors j'espère surtout ne pas tomber sur les vautours avec leur camion à pique parce que eux ils ne descendent jamais de leur véhicule. Rarement. Et c'est les seuls combats que je ne pourrais pas gagner avec la Ferrari. En fait, au bout d'un certain nombre de dégâts, pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a le sac de ferraille derrière qui disparaît en fait. Bon, tu vois, l'en éclat. Bref, toute la ferraille est perdue. On va les laisser passer. De risque avec la sérieuse. Ah, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Vous êtes sérieux. Oh, au lieu de tuer, non. Voilà, merci. Ah, et la sérieuse, elle a pris. Oh non, la sérieuse, elle a pris. La ferme, toi. Vous allez payer le dégât de la ferrailleuse. Voilà. C'est payé. Vous n'avez plus rien, messieurs. Ça quand même c'est pété quoi. Les gars ils étaient à l'autre bout, ils m'avaient déjà vu. Ils sont apparus en fait juste pour ça quoi. Ce qui m'embête un peu des fois. C'est les événements trop provoqués. C'est comme les tempêtes si vous voulez. Je suis dans les tempêtes, dès que je m'arrête pour ramasser en fait. Les ferrailles, bizarrement, bah c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que les éclairs s'accumulent. Les accumulations de rage. C'est que les carcasses enflammées tombent, elles tombent sur mon véhicule. Enfin sur mon véhicule. Enfin sur mon véhicule, carrément sur mon perse. C'était la meilleure idée. Allez, on est presque arrivé. Allez, c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver d'atroce. Pas bien. Pareil, c'est un truc qui manque un peu dans le jeu. Avec ça, ils auraient pu faire des super missions annexes, hein, du style, ils ramènent ça d'une forteresse à une autre pour l'améliorer, des petits camps qu'on a capturés, etc. C'est dommage, il n'y a pas ce petit truc. On aurait pu pousser un peu plus loin sur certaines choses. Bah écoutez, tant qu'on est là, on va peut-être faire les projets qui sont faisables. Ouais, je me doute que le véhicule a déjà été ajouté, mais c'est pas pour ça que je les ramène. Projet d'élevage à Astico, disponible. Projet d'élevage d'asticots terminé. Et tout le reste n'est pas faisable. Les plus importants ne sont pas faisables. En plus, histoire de bien enfoncer le clou. Par contre, pareil, hop, collection, on va choisir le
Chum Bucket Buggy. Chum Bucket Buggy, il est où? Il est là. Buggy de Chum. Je vais utiliser le Buggy de Chum. Parce que sur notre route, il y a le champ de mine. Donc on va repasser. On va repasser voir la suite. Pour terminer ça tout droit. On va aller tout droit. Ça. On va prendre le buggy de Chum, il va vite en plus, il permet de faire le champ de mine aussi qui est dans la zone, passer un niveau en dessous, c'est extrêmement important. S'il faut, on fera gestion des plantations au ballon pour récupérer la puce, hein, la Magnum Opus. Hop. Il faut savoir que la Magnum Opus, en fait, dès que vous téléportez où vous soyez, si vous avez un autre véhicule ou quoi que ce soit, bah, vous revenez immédiatement avec la puce de Magnum Opus. C'est cool quand même, hein. C'est cool quand même. On est bientôt sur le champ de mine, non? Good boy. Et le chien, la santé. D'ailleurs, si j'en ai quand même 3 désamorcés, ou le simple fait d'avoir roulé sur déjà une mine me fait une mine de moins à. Qu'est-ce que j'ai fait du. Oh, il est là. Oui. Bon, t'as entendu le chien. Bon, on a compris qu'il y avait des mines. C'est celle sur laquelle j'avais roulé. Non, c'est bon. Donc c'est décompté. Les mines sur lesquelles vous roulez en fait aussi sont décomptées. On est encore en menace de niveau 2. Hein. On est encore en menace de niveau 2. Ah bah tiens, il y a un champ de mine ici. Bon, on va se le faire. Hein. Y a pas de raison. Là, le buggy, on en profite, on le fait. Ce qui est bien, c'est que dès que vous êtes dans les champs de mine, il n'y a aucun gars qui s'aventure pour vous embêter, c'est incroyable, parce que tout le monde vous fiche la paix. Ça, génial. Enfin, le chrome et l'étincelance, la brillance, bon, c'est cool, mais dans les champs de mine, quoi. Regarde, lui, il n'y a aucune gloire à mourir dans un champ de mine, combattant un adversaire. Lead the way. Je la sentais à peu près par là. De toute manière. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents épisodes, il y a un peu, on va dire, une technique pour déceler les mines. Il consiste à suivre en fait les. Là, c'est pas le cas, on est vraiment sur le bord de route. Normalement, ouais, il y a des voitures qui sortent, ils ont fait. Ils ont roulé là, voilà. Et on en a trouvé une quand même. Les voitures qui ont roulé comme ça, qui ont laissé des traces derrière elles, et qui ont roulé sur une mine, généralement. Vous avez une mine juste à côté de ce tracé ou de la voiture qui a explosé. Donc suivez bien le tracé, tant que vous êtes sur le tracé bien sûr, vous n'êtes pas sur une mine.
essentiel. Ça me fait peur, il est presque invisible. Ah bah, je commence à devenir méfiant un peu et du coup je me fais moins avoir. Alors, j'aimerais me téléporter avant que ce soit trop tard, super. Je vais me téléporter. Ok, voilà, j'ai récupéré donc la Magnum Opus. La pupus, et la pupus, on va l'améliorer la pupus. Parce que vu que j'ai réduit le niveau de menace, oh, j'ai la dernière calandre quoi. Il y en a une, elle est bloquée par l'histoire, j'ai réussi à avoir la dernière calandre. Une très mauvaise gestion du jeu à ce niveau-là. Oh. Ah oui, là c'est obèse. Là il y a écrit convoi sur mon véhicule. Châssis renforcé, très lourd. Oh. Ouais, ça sent du style. Ah ouais. Wow, ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est... Ah, c'est un châssis sur châssis, quoi. C'est du bon blindage efficace. En pneus, on a les pneus du désert. Améliore l'adhérence sur sable de 25%. Ah oui. Ils sont violents, les pneus. Ah, ils sont violents. Bon, ça on l'a toujours pas. Ça, c'est Pink Eye. Donc à mon avis, ce sera d'ailleurs le prochain secteur. Ah, on a une nouvelle peinture aussi. Peinture rouge. Ah, ça a du style aussi. C'est un peu rouge et noir. Ça a du style aussi. Ah, c'est pas mal. On va tester un peu comme ça, on va voir. Les carrosseries, je les ai pas toutes déverrouillées. Allez, déverrouille. La Dairola. La Death Rattle. Hop. Et la Furnace. Et voilà. Bah, j'ai toutes les carrosseries de départ en fait. Et moi là-bas j'étais Wild Hunt. Je vais me remettre en Reaper, j'aime bien le style de la Reaper en fait, elle change un peu. Ce petit côté old school est du coup assez racé en fait. Malgré tout en fait, si tu la prends en face, ça fait vieille voiture papa. Si tu la prends bien sur le côté et arrière, ça a un petit côté racé. Ça me rappelle en fait le design des premières Chevrolet. Ouais, je vais le voir, c'est mieux. Ouais, quoique je suis même pas sûr. Donc là, ils se voient bien comme ça. Bon, on va essayer comme ça de toute façon. On va essayer. Les flammes, c'est de la mission après, forcément. Tout ça, c'est clear. Et tout le reste, c'est bon. Et ben, on a quasiment à fond la voiture. Quasiment à fond. Enfin, c'est un tank. Une voiture, ça. Ah oui. La toile, il sort super bien. Mais en fait, c'est un rouge pétant en fait. Très classe, très classe. C'est une vraie couleur, ça. C'est une vraie couleur avec le noir coudron. Ce sont des vraies couleurs. Des vrais styles. Je préfère le noir coudron. Je le rends en noir coudron. La sobriété. J'aime bien, ça donne un côté argenté à mes flingues. C'est la voiture du Tadin. Et le noir de l'Interceptor. C'est la justice qui en fait, faut passer par là. Je me suis pris une balle quand même, hein. On a collé une. Le fumier. Là, ça change vraiment plus grand chose à la jauge. Il a rien, le gars, il a pas de. Oh, rien mec. Je sais pas où est-ce qu'il est ce son. Il se cache.
dessus. Here they come. The roadkill scum. Bien, les deux autres ils ont pas insisté, c'est cool. Enfin, ils tournent quand même vachement en rond. Hein. Faut aller voir ailleurs. Donc ce saut, ah, il est juste là. On va aller se le faire. Ah, il est dans le sens. Bien. Effectuer un saut épique. Saut épique effectué. Il y a de la route augmentée. Voilà, voilà. Mais pour ce secteur, c'est pas mal. On va reprendre la route de convoi pour descendre sur l'autre. Sur les autres décharges, sur ce qui reste. En espérant ce coup-ci croiser le convoi, est-ce qu'on a le temps pour se le faire? Aménager le planning, on a le temps de le faire. C'est maintenant qu'on a le temps de le faire qu'on va pas le trouver, c'est ça. C'est ça le problème. On quitte. La route du convoi. Monsieur, collecteur d'impôts, comment allez-vous? Je viens chercher vos impôts. Ah d'accord. Vous êtes comme les autres. Vous êtes comme les autres. Vous êtes tous pareils. Vous frappez tous tout le temps. C'est les 1100. Oh là là. Quantité de ferraille qu'on a encore en réserve, c'est quand même. C'est encore. Là, c'est quand même pas mal. On a 1000, on a de quoi faire un bout de projet en arrivant chez les autres. Les charges 100%. Plus munitions. Une balle pour moi. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, mais attendez. Non, vous aviez un puits de flotte aussi. C'est pour ça que j'ai accepté de plonger des baffes un peu. Hein. Vous aviez un puits de flotte. Ouais, c'est bien de se prendre des baffes régulièrement, même ça, si vous avez l'impression comme ça tout de suite maintenant que ça sert à rien. Et ben ça a son importance pour la très simple et très bonne raison que au début les adversaires font pas beaucoup de dégâts et que selon les coins ils font plus ou moins de dégâts et pas juste dans les forteresses. Donc je tâtais un peu le terrain on va dire. En prenant des baffes quoi. Dans ce concept. D'accord. Une décharge, un snipe, ok. Du ballon, quoi. Fais-toi. Oh, paysan. In no
time. D'autres ferrailles que ça? Ah si, je mes yeux un peu. J'avoue, chariot de guerre que ça nous fait. C'est un super style. C'est un super style. C'est extrêmement métal, hein. C'est extrêmement orcoïde comme style aussi. C'est dans de l'épicness là. Hein. Aussi d'ailleurs. Je trouve que la dernière du coup, elle est plus lente aussi. Il y a juste un peu de poids, j'ai l'impression. Ah, ça commence à descendre un tout petit peu. Commence à se voir que ça descend. Décharge un sniper, le convoi. Et pour le coup, cette zone-là, elle sera en blanc. Elle sera ruinée. Il ne restera plus rien. C'est gonflant. Arrêtez de te planquer derrière ton poteau. Ah bah on a perdu le son. On a perdu le son. C'est top. On est bug. Des abrutis, félicitations. Mais ça vous empêchera pas de payer vos impôts. Ah, parce que vous étiez particulièrement ridicule que vous alliez pas payer d'impôts. Vous payez comme tout le monde, il faut banquer. Faut payer, faut participer. Faut pas être comme ça, monsieur. Il y avait que ça en ferraille dedans. Fait un si grand truc pour mettre que ça là-dedans. Oh bah c'est les patrons. Hein. Pas comme ça.
themselves fail to recognize the sacred parts of the great spiritual schemes scattered. C'est censé avoir de l'eau, mais là j'avoue je m'en fiche, on va passer à la suite. Hills and valleys. Oui, si c'est ça. I recognize their scrap as a treasure. Stinkshot got his gun on us. C'est lui qu'on vient voir en plus. Il vient de nous rappeler son existence, mais on se rappelle de lui. On le voit. Les coups, elles font plus un pic. Je sais plus si j'ai mon quota de balles de snipe. Je pense que oui. Bon, le bouger. C'est réglé. Ok, on peut monter dedans. C'est génial. Ça nous vend tellement de rêves. Bon, même pas du pâté pour chien. C'est dire. Ouais, bah écoutez, on va remonter sur la route. Objectif, enfin le final. Le finishim. Pour bien finir. C'est soit pour bien commencer, soit pour bien finir. Le convoi. Il va pas faire du zoo, ça vous le savez déjà. Mais ça va pouvoir nous permettre de tester la nouvelle. Mes avis que ce sera sale. Elle est plus lente par contre. Là ils sont là. Accélérer, genre l'autre il arrive à rester à ma hauteur. Ça m'embête toujours. Je suis un peu vachement concentré. Il y en a un qui va remonter, mais il est tellement amoché qu'on ne s'en tirera pas. Il y a plus de blindage, donc il est cuit. Quand tu sors, plus que deux. Hop.
plus qu'un en soi. Oh! Alors à toi, j'ai besoin de te revoir. Tu t'en vas. Voilà. Perds ta roue. Et t'es mort. Oh là. Je vais faire mon kéké et l'achever. Oh le pauvre gars. On a... Là, il m'a ralenti. Dans sa mort, il m'a ralenti. Il a perdu au convoi de partir toujours plus loin. De survivre toujours plus longtemps. Si son temps est tellement complet, je peux t'y comprendre. À un moment donné, il va falloir mourir. Hein. Voilà, on affronte l'ultime. Le dernier garde. L'affronter. Voilà. Là, tu vois, t'es déjà fini. Ouais, c'est quoi? Allez. T'auras le droit de rentrer chez toi dans la honte. Dans la honte, raconter que le convoi est mort. Tous tes gars derrière toi sont morts. Tout le monde est mort. Il ne reste plus que toi. Attends de voir comment tu seras accueilli. Ah, plus que le flingue. Et il est réglé. Et il est fini ce convoi. Chercher. Voilà. Ouais, ça a bien réduit la menace. Hein. Volontaire sûrement au suicide. Oh bah on a ce plus pas, on va aller voir ce que c'est hein, bien sûr avant. Pas de panapite non plus. Voilà. Alors, Pupus. Nouvel emblème. Nouvel emblème Pupus. Jumeau de mort, jumeau de la mort, les frères massacrés nous rappellent notre destin tous. Augmente l'armement et la défense, non? Ça doit être ça? Je sais pas, non? Je sais pas si je, par exemple je t'installe à l'avant. D'accord, ça surbooste l'armement quoi. J'ai l'armement surboosté. C'est un petit style d'ailleurs. C'est un petit style. Ça surbooste mon armement. Ben ok, ça marche. Hein. C'est un surboostage de l'armement. Bon, bah ben, on a une voiture qui déchire un peu. On a fini cette zone. Elles sont pas blanches non plus. Hein. Il reste des âneries à gauche à droite. Dans les gorges du sable, il reste les petits champs de mine. Hein. C'est principalement ces trucs-là. Ah bah si, il nous reste ça aussi. Oh, je l'avais oublié lui. Je ne sais d'où il date, de quand il date, mais... Lui, il a été oublié. Hein. Il a été oublié sur une liste. Je vais le finir là. Gentiment. J'ai des projets à assembler. C'est la grande question. Est-ce qu'il y a des projets à assembler? Sinon on va assembler des projets. Non, il n'y en a pas. Et bien, vous savez quoi, je vais le faire en off. C'est qu'un épouvantail. Enfin, c'est qu'un épouvantail. Non, je le fais pas en off. Je vais le faire en 100%. J'ai dit de toute façon 100% filmé. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour réduire la vigilance et tout bas. Vous l'aurez en filmé. Donc ce ballon est stratégique hein. Écoute la map en dos. Il voit rien. Tu vas me faire prendre à droite. Voilà. On ouvrira une autre puce. On a d'autres carrosseries, on a d'autres moteurs, on a
pour acheter. Attends, je crois que le code pour acheter, ça coûterait tellement cher. Et le voici. Voilà le dernier, l'ultime, le grand, le balèze. Ça ne fait rien. Je dirais tant pour rien. Pavillon Berne. Hein, essayer de... Ah, effacer toute menace, ok. Donc ça y est, on a un secteur complètement nettoyé là, à première vue. Vu qu'on vient d'avoir le succès qui allait avec. Et que cette zone là est blanche aussi. Voilà. Ici il y a une décharge qui est apparue. Bon, on fera ça plus tard de toute façon. À moins qu'il y ait un plan dedans. Non, il n'y a pas de plan dedans. Là, ferraille, ferraille. Ferraille, ferraille. Pièce des ferrailleurs. Combien de pièces du ferrailleur? C'était ici. Pièce, du pièce de ferrailleur. Ferrailleur, ferrailleur. Eh ben, il m'en manque juste une. Hein. On aura, de toute façon, on aura tout dans celui-là. Les champs de mine du territoire de Goodgash, ce serait bien que je les trouve un de ces quatre aussi. J'avoue, j'ai tourné, j'en ai trouvé aucun, ça veut dire. On les trouvera, Pas de soucis. Je vous rappelle que vous êtes sur Comme d'habitude Gaming avec Narfang et que vous avez le 100% de Mad Max filmé. Donc voilà. Même si ça fait des heures et des heures de film, vous avez tout. Le moindre épouvantail y est. Si cette vidéo vous a servi, un petit pouce vert. Si cette vidéo vous servira à quelqu'un d'autre, partagez-la. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming. Ciao.